Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Marie du blog formationassistantblogueur.com et aujourd'hui je vais vous parler de mon programme de formation assistant blogueur. Depuis que j'ai créé cette chaîne, ou en tout cas depuis que j'ai repris cette chaîne et que j'ai lancé mon activité, je pense que je n'ai fait aucune vidéo au sujet du programme, donc je me suis dit que ce serait quand même intéressant à un moment donné d'en parler sur YouTube, même si évidemment il y a plein d'informations sur mon site. Alors, formation assistant blogueur, je vais vous expliquer un petit peu comment ce projet est né. Je pense que ce sera plus parlant comme ça. Formation assistant blogueur, c'est un programme et un projet qui est né il y a maintenant un an, en tout cas au moment où je tourne cette vidéo. Pour ceux qui sont là depuis longtemps et qui me connaissent, eh bien, vous savez peut-être que quand j'ai décidé de quitter le salariat et de me lancer pour devenir freelance en ligne, mon objectif principal, c'était de devenir rédactrice web. J'ai suivi une formation auprès de Lucie Rondelet, qui est un peu la référence, même beaucoup, la référence en matière de formation en rédaction web. Et j'ai eu la chance de pouvoir travailler avec elle physiquement parlant, puisque nous vivions toutes les deux en Nouvelle-Calédonie, à Nouméa. Et en fait, dans le cadre du programme de sa formation, eh bien, elle avait besoin d'aide pour faire du montage vidéo et elle m'a proposé de l'aider dans ce cadre-là. Et c'est comme ça que j'ai eu ma première mission en tant qu'assistante virtuelle. Au moment où je me suis lancée avec Lucie, où j'ai commencé à travailler avec elle, au bout de quelques mois, Lucie me disait « Mais tu sais, il y a beaucoup de personnes comme moi qui cherchent des assistants pour les aider, des bras droits et je pense que ce serait top si t'en parlais autour de toi. » Et à l'époque, donc je venais, pour vous remettre dans le contexte, je venais à peine de quitter mon job, je démarrais vraiment sur Internet, j'avais peu d'expérience et je m'imaginais pas du tout parler du métier d'assistant virtuel puisque j'étais complètement novice en la matière. Et c'est une idée qui finalement s'est un peu envolée et que j'ai mise de côté. Et puis, il y a 2 ans, je me suis donc installée en France et la première année où je suis arrivée, donc j'ai participé à pas mal d'événements de web entrepreneurs. Il y a d'autres vidéos, de vlogs dans lesquels je vous en parle, si ça vous intéresse. Et lors d'un de ces événements-là, j'ai l'une de mes amies, Lauriane, qui me disait « Mais Marie, je comprends pas, pourquoi tu formes pas des assistantes virtuelles comme toi ? Il y a un vrai besoin sur le marché, tout le monde cherche un assistant, mais c'est impossible à trouver. » Et à ce moment-là, je me suis dit « C'est vrai que c'est pas la première fois qu'on me parle de ça. » Et là, ça faisait un an et demi que j'étais lancée. Que j'avais donc une cliente régulière, enfin des clients réguliers, que je gagnais ma vie sur internet, donc voilà, j'étais quand même un peu plus légitime, je me sentais un peu plus légitime et je me sentais d'avoir un peu plus d'expérience pour en parler. Mais mais j'avais peur et donc j'ai dit ouais c'est vrai, ce serait une super idée, etc. Et puis j'ai mis le truc de côté et je suis passée à autre chose. Et puis les mois passent et 2 ans après, 1 an après, une autre amie, Cécile, coucou Cécile si tu passes par là, on discutait un petit peu de nos entreprises, de l'entrepreneuriat, etc. Elle me dit « Mais Marie, pourquoi tu ne formes pas des assistantes virtuelles ?» Et là, je me suis dit « Bon, ça fait quand même un peu beaucoup de fois qu'on m'en parle, donc peut-être que je vais me pencher sur l'idée. » Et puis, j'avais mûri un petit peu quand même la réflexion entre temps, même si j'étais pas allée au bout, et je lui ai dit « Écoute, tu sais, j'ai peur que ça intéresse personne, j'ai peur que... » J'avais plein de peur. Et Cécile me pose une question, elle me dit « Mais Marie, si demain tu te réveillais et que quelqu'un d'autre se lançait là-dessus, comment tu te sentirais ?» Et je lui dis « Bah, ça me ferait... ça m'embêterait, quoi. Enfin, je me sentirais mal parce que ça fait un moment que j'ai l'idée et que j'ose pas me lancer. » Elle me dit « Bah, donc c'est que tu dois y aller. » Et elle avait raison. et ça a été, je pense, le déclic. C'est ce qui a fait que j'ai sauté le pas et que je me suis dit « Ok, allez, c'est bon, j'arrête de tergiverser, je mets mes peurs de côté, j'y crois à fond. Je sais qu'il y a un véritable besoin sur le marché du côté des infopreneurs. Et je me sens légitime pour le faire. Ça faisait 2 ans et demi que je bossais en tant qu'assistante virtuelle. Donc j'avais quand même eu pas mal, j'avais beaucoup d'expérience quand même. Donc j'avais eu de quoi rouler ma bosse, comme on dit, et là pour le coup je me sentais à la fois légitime et je croyais absolument au potentiel de ce métier, et j'y crois d'ailleurs toujours. Et c'est ce qui a fait en fait que j'ai lancé donc mon blog, Formation Assistant Blogueur, quelques mois, un ou 2 mois après cet échange-là. Et dans la foulée, j'ai créé le programme
formation assistant blogueur. Voilà un petit peu pour vous raconter l'histoire de ce projet, de comment est née formation assistant blogueur, de tout ce qu'il y a eu derrière, des choses que j'ai pas forcément partagées, qui concernaient surtout le petit dialogue que j'avais à l'intérieur et qui me disait mais non, on n'y va pas, tu vas pas réussir, etc., etc. Le fait est qu'aujourd'hui, et un an après, formation assistant blogueur existe toujours et que l'entreprise est en plein développement et j'en suis absolument ravie. Je suis super fière de pouvoir maintenant parler de ce programme et de toutes les vies que j'ai changées, parce qu'aujourd'hui je peux le dire, je sais que j'ai changé des vies et ça c'est juste la meilleure des récompenses. Alors pour revenir un petit peu au programme et vous expliquer donc qu'est-ce que c'est formation assistant blogueur, donc c'est un programme d'accompagnement en ligne qui repose sur trois piliers: les compétences, la communauté et l'accompagnement. Les compétences parce que je forme des assistantes virtuelles qui sont spécialisées en web marketing. Donc moi, je forme des personnes qui sont destinées à travailler avec des web entrepreneurs, des personnes dont l'activité est à 100% en ligne et qui est totalement digitale. Donc le web marketing, ça ne s'invente pas. On peut avoir quelques notions par-ci par-là, mais il y a quand même vraiment tout un écosystème qu'on ne soupçonne pas quand on navigue sur Internet. Et pour moi, le web marketing, ce sont vraiment des compétences qui sont spécifiques et qui sont pas forcément faciles aujourd'hui à trouver sur le marché. Parce que autant le marketing, je pense qu'on connaît tous un peu les médias traditionnels, autant le web marketing et tout ce qui a trait à la vente en ligne, c'est encore un univers différent. Donc les compétences, donc monter en compétences sur le web marketing, la communauté, parce qu'aujourd'hui, formation assistant blogueur, c'est bientôt une centaine de personnes que j'ai formées et qui forment aujourd'hui cette communauté et dans laquelle j'essaye vraiment de m'investir, mais aussi de favoriser les échanges entre les membres et pour créer vraiment cet état d'esprit d'entraide et de soutien au quotidien, parce que quand on est freelance, on travaille seul la plupart du temps et que pour moi, c'est extrêmement important d'avoir vraiment un noyau, des gens sur lesquels vous pouvez compter, auxquels vous pouvez poser des questions et avec lesquels vous pouvez avancer tout simplement. C'est ce que j'ai mis en place dans le programme. Et enfin, l'accompagnement, puisque les personnes qui rentrent dans ce programme bénéficient également d'un accompagnement au travers des accompagnements collectifs et des groupes d'échange. Je vais en reparler. Donc pour vous expliquer un petit peu qu'est-ce qu'on retrouve dans ce programme, pour revenir sur le premier pilier qui sont les compétences, eh bien tout ce qu'il y a à savoir sur le métier d'assistante virtuelle web marketing. Donc qui sont les clients, quelles sont les missions, comment établir une relation de confiance avec un client, quelles sont les choses importantes à comprendre, qu'est-ce que c'est en fait la vente en ligne, qu'est-ce qu'il y a derrière ce mot, derrière ce business. Donc ça c'est vraiment le premier aspect. Ensuite il y a vraiment la partie technique, c'est-à-dire monter en compétence sur l'apprentissage de nouveaux outils, de nouvelles techniques, d'un nouveau jargon, d'un nouveau langage, parce que clairement, on parle vraiment d'un nouveau langage et surtout les aspects de stratégie digitale qui sont liés bien aux réseaux sociaux notamment, puisqu'on ne peut pas passer au travers. Et je fais notamment un gros focus sur Pinterest, sur YouTube, sur Instagram et sur les groupes Facebook. Aujourd'hui, les réseaux sociaux sont absolument incontournables et mon objectif au travers de ce programme de formation, c'est de vous permettre de monter en compétence pour être en mesure d'accompagner un client de A à Z dans sa stratégie ou de simplement arriver avec un regard critique et des nouvelles propositions pour améliorer ce qui existe déjà et aller vers le mieux, tout simplement. Et enfin, tous les volets organisation de l'activité d'assistant virtuel, comment démarcher des clients, comment reconnaître des clients qui ont besoin de vous, comment les contacter, comment les aborder, comment préparer une première mission client. Voilà, il y a vraiment tous ces aspects-là. Donc, que vous démarriez de zéro, que vous ayez déjà l'expérience sur Internet, cette formation, elle est vraiment là pour vous accompagner de A à Z, pour être complètement autonome et lancer votre activité d'assistante virtuelle en 4 mois, puisque le programme est sur 4 mois. En parallèle de ça, et j'en reviens à mon deuxième pilier, ce qui est très important pour moi, c'est la communauté. Donc il y a un groupe privé dédié aux membres du programme qui est sur Slack, qui est une application un petit peu similaire à WhatsApp, mais un peu mieux organisée. Il y a également les groupes d'échange qui ont lieu de manière hebdomadaire. Donc ce sont vraiment des groupes des membres du programme, soit des personnes qui ont déjà terminé la formation et qui sont en activité, ou des personnes qui sont en cours de formation, qui échangent chaque semaine et pendant un mois sur leurs problématiques du moment pour se soutenir et se permettre de continuer à avancer, se booster et se donner de la bonne énergie tout simplement. Voilà pour la partie communauté. Et côté accompagnement, en parallèle de ces groupes d'échange, moi j'interviens lors d'accompagnements collectifs chaque mois et cependant 5 mois, donc ça représente 5 séances à peu près par membre. Et en parallèle de ça, il y a également des masterclass durant lesquelles je fais intervenir un expert dans son domaine chaque mois, et tout ça dans une logique de formation continue.
Voilà, je pourrais y passer des heures sur formation assistant blogueur, il y a énormément de choses à dire. Mais là, je pense que c'est une bonne synthèse de d'où ce projet, comment ce projet est né, qu'est-ce que c'est aujourd'hui. Et voilà, si ça vous intéresse d'en savoir plus, n'hésitez pas à rejoindre ma masterclass, elle est 100% gratuite et je vous explique tout ce qu'il y a à savoir sur le métier d'assistante virtuelle et sur le programme formation assistant blogueur. Si ça vous intéresse, c'est en description. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao !